Depuis 40 ans, en créant l'Institut malgache des recherches appliquées, ou l'IMRA, le professeur Hatimamang a mis au service de son pays le fruit de ses connaissances modernes, conciliées au savoir empirique, celui des guérisseurs. On cherche des médicaments antipaludiques d'origine végétale. Nous avons découvert à partir d'une strychnose malgache. C'est une plante qui a été utilisée en association avec la chloroquine dans le temps ancien. Et dans l'écorce, nous avons trouvé une molécule qui s'appelle la malagachanine. Cette molécule n'a pas d'activité antipaludique directe, mais il serait associé à la chloroquine dans le cas où le parasite résiste à la chloroquine.